Donc j'ai pas trouvé du cage, mais j'ai trouvé des chandiganes. Moi j'aime beaucoup les chandiganes et j'ai trouvé que c'était intéressant aujourd'hui de parler des chandiganes compte tenu de ce qui se passe par rapport à cette communauté et comment elle est traitée dans notre société. Donc je pense que c'est intéressant aujourd'hui de découvrir effectivement ce qu'on appelle pas les tziganes mais les Roms et de connaître une culture qu'ils ont parce qu'ils ont une culture et une culture musicale assez extraordinaire. Le Dahlia Noir de James Ellroy. Et c'est dans la jungle des villes en fait qui me permet la transition parce que là pour le coup s'il s'agit d'une jungle c'est bien celle des États-Unis et de Los Angeles. En fait le quatuor de Los Angeles donc, sont quatre romans d'Ellroy dans les années 50 et c'est vraiment la part la plus sombre, la plus sordide, la plus cauchemardesque des États-Unis. Et ce qui m'intéressait beaucoup dans ce livre-là c'est justement que pour le coup dans mon expérience de lecture, il n'y avait pas de mise à distance, c'est-à-dire, moi, il m'est arrivé, c'est vraiment des polars fascinants malgré leur dureté, la violence qui est dedans. Formidable. C'est incroyable. Magnifique. Sauf que vous y prenez, enfin, vous devenez tellement accro à la lecture que moi, je suis resté des fois quelques journées complètes enfermé à lire, et je m'arrêtais pour déjeuner, et enfin, ça m'est arrivé une fois, je m'arrête pour déjeuner, et tout d'un coup, sur le formica qui était devant moi, dans les plaques électriques, tout d'un coup, je vois passer les personnages. C'est dans la jungle des villes, c'est une des premières pièces. Lui, et votre opinion, elle aussi, est indifférente, sauf que je veux l'acheter. L'autre, moi je m'octroie des opinions. Sortez-vous d'une famille de millionnaires transatlantiques? Ma fille se nourrit de poissons pourris. Il se réjouit. Un homme qui se bat, car on pouvait s'attendre à ce que vous les prononciez, ces paroles qui auraient fait plaisir et sauvé des poissons votre famille. Lui, $40, c'est un tas de linge pour vous et votre famille. Elle, je ne suis pas une prostituée. Lui, avec humour, je pense qu'avec $50, je n'attente pas votre vie intérieure. Elle, cette majoration de votre offre est une nouvelle humiliation, vous le savez.